À l'entrée de la préfecture, plusieurs dizaines d'agriculteurs et quelques tracteurs. Portés par la voix de Loïc Guine, président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine, leur détresse est écoutée. Sauf que vous avez des politiques, un État qui vous complexifie le sujet et donc vous n'avez pas toute la liberté de travailler et je dirais toute cette liberté, elle est freinée pour ne peut-être pas trop inquiéter certains industriels. Loïc Guine annonce alors la levée de tous les barrages du département d'ici la fin de la journée. À l'issue d'un échange improvisé, la programmation d'une nouvelle réunion a été évoquée. Présidente, prenez là, il y a une seule porte à franchir, elle est ouverte. Merci. Allez. Donc on se reverra. Merci. Mais aujourd'hui, il fallait aussi marquer notre colère, parce que hier soir et cette nuit, c'est ce que j'ai ressenti de la part de mes collègues. Merci.